Attendez. Oui, allô, Paul. Oui, on a du monde, ouais. Bon, attendez au téléphone. Là. Michel, oui, voilà, nous sommes avec l'équipe de Martigues. Donc maintenant là, attends, il est pas au téléphone. C'est bon. Allô, c'est bon. Oui. Bien, bonjour, l'équipe de Martigues. Bon, alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Donnez-nous votre... Bébé, nous parlons, allez, Martigues, parce qu'on avait 4 coureurs dans les premières places. Malheureusement, on a perdu sur provision à Pedro Kraus, notre jeune coureur sud-africain. La bagarre a déjà été déclenchée devant et c'est très difficile de rentrer. Donc on a perdu un bon élément. Les trois autres, ils ont fait ce qu'ils ont prouvé. Malheureusement, dans le contre, on aurait préféré que ce soit le meilleur placé au général que Christian Topin. Mais c'est l'autre jeune coureur, Biguini, qui était devant. Finalement, ça n'a pas fait une super opération, mais l'important, ce que je retiens, c'est que les garçons, ils étaient motivés, ils étaient devant et au moment quand il fallait. Et si on veut dire, il y a des étapes qui nous ont fait peur quand même. Peur à moi, personnellement, non. Peut-être encore heureux parce qu'ils sont jeunes quand même. Mais bon, c'est à travers des étapes comme ça et des tours comme ça qu'on devient grand. Oui, absolument. Et puis il faut passer par là pour être grand comme vous. Alors donc, vous êtes de Martigues, de Calais, peut-être? Non, pas du tout, c'est à l'opposé. C'est à côté de Marseille. Ah oui. D'accord. Alors donc, est-ce que vous êtes déjà venu pour nous voir, mais c'est la première fois? Non, l'équipe est déjà venue 3 ou 4 fois auparavant. Moi-même, j'ai couru autour de ma tenue quand j'étais coréen. Juste pour petite mémoire, Cédric Eustache était dans notre équipe. Et notamment, il y a un double appartenance, il y a un épargne de Galet, donc c'est quelque chose que ça me tient vraiment au cœur. Eh bien, c'est gentil, merci d'avoir répondu à l'interview. Alors donc, on vous souhaite que de bonnes choses pour ça va. Merci à vous. Et bonne condition pour vous. Merci. C'est une radio qui s'intitule Andy FM Martinique. En traversant un peu, en cherchant sur les radios les commentaires, on est tombé un peu sur toutes les radios qui transmettent la course. Donc forcément, il y a des moments qu'on était sur votre radio également. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Okay.